fais ma soeur qui casse des nuques. Bon, pas forcément casser des nuques, mais on peut casser, tu vois, des cuits par exemple. Il y a beaucoup de possibilités de faire ma soeur et de péter des vertèbres, si tu vois ce que je veux dire. Comme ça, ma soeur, comme ça, tu vois le mec qui vient et pas comme ça, tu lui casses le dos. Bonjour monsieur. C'est ici le massage. Ah bah bien sûr, revenez. Je prends qu'un seul client par un seul client. Bah, hein. J'ai pas compris, il a commencé à parler japonais. Très bien, mettez-vous ici. Déjà déshabillez-vous, mettez-vous vraiment qu'en caleçon. Et posez-vous sur la table. Mais ne vous mettez pas assis, hein. Restez assis sur la table. C'est primordial. Ok. Donc il nous faut des cailloux. Il nous faut un caillou histoire que si on appuie sur son dos, que ça lui fasse du bien. Ça c'est une boule de massage. Attendez, je prévois mes ustensiles. Il a pas confiance. C'est un gros machin, ça prend distance. Oh. Oh putain. Ne vous en faites pas, je suis ma soeur, comme on dirait. Professionnel depuis 200 ans. Très bien, monsieur. Donc maintenant, vous allez m'écouter, vous allez vous mettre debout. Attendez, je vais fermer la porte histoire d'être plus en sécurité. Maintenant, vous allez vous mettre accroupi et debout. Accroupi, debout. Plusieurs fois, histoire de faire bien circuler le sang. Tu vois ce que je veux dire là? Que le sang, il reste pas dans une seule partie du corps. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une crampe. Ah. Maintenant, vous allez vous poser sur la table et vous allez faire des étirements. Genre, vous mettez votre main gauche et votre main droite et vous étirez le dos. Mais non, pas comme ça, vous êtes bête. Regardez comme ça, vous mettez face au truc, les mains dessus et vous vous mettez accroupi. Très bien, voilà. Étirez-vous le dos et nous allons commencer les premiers exercices. Voilà. Très bien, monsieur. Ne vous en faites pas. Voilà, voilà. Collez-vous à la table. Non, on va plutôt faire ça sur le sol, ça sera plus évident. Et avec la boule là, je vais pouvoir vous masser le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Vous massez bien le dos. Ah mais ça fait mal votre truc. Attendez monsieur, c'est pas fini. Attendez, mettez-vous, mettez les mains en l'air. Mettez les mains en l'air histoire que aucune partie du corps se touche là. Voilà. Et là, vous allez recevoir une décharge. En fait, ça sert à stimuler les muscles. Comme ça, l'acide qui est naturellement dans le muscle va circuler, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur, mettez-vous debout. Mais c'est tranquille. Arrêtez, il faut que je vous répare le bras. Mais non, c'est justement le bras, je vais le replacer. Parce que là, il est pété, vous avez déjà vu un bras comme ça, je ne crois pas. Oui, mais c'est bon, je sens rien. C'est bon, je sens rien, en fait. Il est pas... Vous vous sentez comment, monsieur, là? Ben, je me sens vraiment bien. Vraiment bien? Il faudra que je sorte d'ici. Ah oui, oui. Donnez-moi votre bras, il faut que je le replace. Alors là, il est malade. Arrête! Je pense que, monsieur, je vais vous injecter des sédatifs pour que vous soyez un peu plus, docile. Arrêtez de manger. Oh non! Mangez-le. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Voilà. Monsieur, ne bougez pas, sinon ça va faire mal. Attendez, je vais essayer de vous aider. Oh merde. Je voulais viser le bras. Ok. Ne vous en faites pas, mon équipe d'associés va vous aider. Tom, on a un massage cardiaque. Faut faire un massage cardiaque, Tom. J'arrive. Après, préparez-moi quelque chose. Massez-le. Je vais faire une technique ancestrale. C'est... Attention, il nous faudrait une corde. Un ring. Non, c'est pas grave. Dépêchez-vous. Je vais lui faire une descente du coup. Let's go. On a mis un coup de taser. Alors, monsieur, vous sentez comment? Monsieur le policier, il faut payer maintenant. Parce que là, regardez, votre bras, il est remis, là. Oui, mais je refuse de payer, vous m'avez mis dans le coma. Mais bien sûr que non, mais c'était pour vous remettre le bras. J'étais un coup de taser. Monsieur, on paye. Sinon, votre bras, il va se recasser. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là. Si tu vois ce que je veux dire. Sécurité, Tom, on a quelqu'un qui veut pas payer. Il veut pas payer? Oh putain, il a sorti ça, c'est un japonais lui. Oh. Arrête, vous allez payer. Alors déjà,
Attends, attends, une minute. Alors déjà, ça c'est déjà sacrément raciste de dire que comme j'ai un katana, je suis japonais. Alors là, alors déjà d'une part, c'est sacrément raciste de attaquer ta part. Ah, pardon. Le tibia. Le tibia. Attaquez-le, alors, monsieur Tom. Faites-lui du mal. Mais il faut qu'il paye, faites-le. Trouvez un moyen pour qu'il paye. Pas avec un katana. Oh là là, où ça? Oh là là là. Donc je tue là, vous êtes okay, d'accord? Ok, tu rushes à gauche, je rush à droite. 3, c'est 2, bon, je vais payer. 1. Revenez! Revenez! Non! Je veux te payer, c'est moi, je veux payer! Ah bah allez-y, payez! Vous payez combien? C'est 200 000. C'est bon, tenez. Quel con! 2 dollars. Oh là là! Il a payé que 2 dollars! Oh là, ça a réveillé mon associé d'avoir entendu que 2 dollars tombaient au sol. C'est ce qu'il y a dans mon portefeuille. Ça l'a réveillé! Mais non! Mais il est pas mort! Attendez, on va lui rendre. Mais non, c'est pas ça, il refusait de payer. Il refusait de payer. Monsieur, vous allez aller contre le mur. Alors là, si vous me demandez d'aller contre le mur, vous allez bien être déçu de la suite de l'avancement de la chose. J'ai une idée. Lâchez les chiens! Lâchez les chiens! Après, on va tout le monde. Salaud! Vous m'avez circulé, vous m'avez circulé. Non, moi je suis pas. Salaud de flic! Tu vas voir, mon gars! Bonjour monsieur, vous êtes venu faire un massage? Ah, quand même. Oui, s'il vous plaît, parce que j'ai dit. Bah venez, avec la confiance. C'est très bien, ça c'est très bien, ça c'est très bien, ça c'est très bien. C'est 500$ la séance. Hein. Après, vous repartez avec un corps de bébé. Hein. Un corps de bébé. De bébé. De bébé. Et je ne joue pas sur les mots. Déjà, comme pour l'autre, décontraction musculaire, mettez les mains en l'air. Sur le spatz. Ah là, ça remonte bien au fond de la gorge. Maintenant, vous allez regarder, vous avez trois choix. Soit la pierre, soit le conduit d'aération, ou soit les plantes d'eucalyptus pour vous soigner votre dos. Les plantes. Les plantes, très bien. Voilà. Attention. C'est grave comme ça. Vous ne ressentez pas l'eucalyptus comme on aimerait la sentir. Mais c'est pas grave. Vivez le moment, monsieur. Oh, ça fait du bien. Oh, putain. Attention, c'est de la précision là. Oh! Ça se remet en place, vous en faites pas. En fait, il faut que je coupe l'os en 6 parties. Et une fois qu'il est suffisamment coupé, ça devrait se mettre tout seul. La petite bête n'a jamais mangé la grosse. Ne vous en faites pas, comme on dit. La petite bête, elle va essayer de vous rentrer à l'intérieur de votre pénis. Pourquoi elle est... Elle va rentrer dans votre pénis. C'est inédit, hein, ça s'est jamais fait encore. Elle va essayer de faire qu'un avec vous. Et celle-ci, normalement, devrait vous travailler un peu le mental, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des problèmes en maths? Oui. Pour étudier? Pas du tout. Très bien, bah, ça vous aidera encore plus. Très bien. Est-ce que vous sentez une différence par rapport à tout à l'heure déjà? Oui. Mon dos il va mieux. Son dos va ça mieux. Ça finit bien. Pas ma tête. On a dit qu'il allait finir. Ma tête. On a dit qu'il allait finir comme un bébé. Donc, est-ce que vous êtes comme on dit dans le jargon sous l'emprise de drogue là actuellement? Oui. Mais non, vous n'avez pas de poison. Ah oui, s'il vous plaît. Non, vous en avez pas. Ah. Regardez par exemple. Attends, j'ai pris de la cocaïne tout à l'heure. Là, par exemple, là je vais vous en injecter. Tu vois, là il y a du poison. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de te mettre assis comme ça, ça abîme les genoux. Ok. Genre, on dirait qu'il danse. Alors là maintenant il va falloir marcher à cloche-pied et techniquement en fait ta jambe elle se remettra en place durant la nuit. Ok. Excusez-moi, monsieur Tom, il y a le client qui s'en va. Au revoir, monsieur.
Je paye quand même, non? Ah oui, c'est vrai qu'il faut payer, alors ça, trop l'habitude qu'on me paye pas. Ah bah quand même. Alors ça, j'ai l'habitude que personne me paye, ça je vous le dis. Tenez, parce que ça me fait super du bien. Attendez, il faut que j'aide mon collègue à se mettre sur la chaise. Attendez, bougez pas. Mais non, j'ai été aidé. Ah oh bah attends, bah, oh là, j'ai mal à la tête. Tout n'est que maîtrise. Regardez, c'est de l'art, regarde. Regarde comment on met ça bien. Bah oui. Pas voilà. Et bien. Merci pour vos 2000, monsieur. Bonne journée. Super à vous. Bien. Merci, monsieur. Qui était la prochaine, monsieur? Hey gros, la vidéo vient de se finir. Gros, maintenant clique sur mon logo si tu veux t'abonner et voir d'autres vidéos comme celle-ci. Ou si tu vas en haut à droite, il y a la dernière vidéo. Peut-être bien qu'on va se mettre bien. Vas-y, mon gars, clique.